rentrer à l'épreuve. Et nous, on dit, pas question. Et qui de vous montre. Thank you.
tombée malade un truc. En fait, en faisant la rééducation que j'ai donnée, parler sur le physique et le mental, j'ai été en plus. Je suis craquée à ce moment-là. Et il m'a dit que je suis très bonne. Et à tous d'être encore revenus nombreux ce jeudi 6 avril à l'appel de notre intersyndicale nationale. C'est notre 11e manifestation ici à Tarbes, comme des centaines de vies aujourd'hui en France. Et nous sommes encore et toujours nombreux. Plus de 10 000 manifestants battent le pavé aujourd'hui à Tarbes. On est encore plus nombreux. On est toujours présents. Nous sommes depuis le 19 janvier des millions de travailleuses et travailleurs, du public comme du privé, jeunes et retraités, à exprimer le refus de cette réforme injuste, injusticiée et injusticiable. Nous sommes toujours unis.
pour dire non, non à cette réforme des retraites, pour exiger son retrait. Malgré cela, ce gouvernement a imposé une procédure accélérée au Sénat qui n'a pu que survoler cette réforme à cause de l'article 47.1. Puis, il l'a imposé à l'Assemblée nationale en leur ôtant toute possibilité d'expression avec l'article 49.3. Nous ne pouvons accepter la violence de cette politique bornée qui prive l'expression de notre démocratie. Disons non, non à cette dictature. Disons non, non par notre unité syndicale. Disons non, grâce à notre unité citoyenne. Disons non par l'ampleur de nos manifestations qui ne faiblissent pas. Soyons tous fiers de notre détermination, car c'est dans cette lutte pacifique que nous pourrons gagner, que nous allons gagner. Notre Constitution nous permet encore la victoire. Le Conseil constitutionnel peut encore se prononcer contre cette loi. Ce conseil dit des sages doit faire preuve de sagesse et écouter la voix du peuple pour sortir de cette crise. Ce conseil des sages doit laisser s'exprimer le référendum d'initiative partagée pour que nous puissions exprimer par le vote notre refus de cette réforme. Non à la réforme Macron! Non à ce projet de loi. Le pays n'en veut pas. Ce soir, au niveau national et dans les prochains jours au niveau départemental, toutes les organisations se réuniront pour définir la suite de ce mouvement. Le président compte sur la répression et l'usure pour nous faire céder. Mais nous ne céderons pas. Nous avons un seul mot d'ordre, obtenir le retrait de cette réforme injuste, brutale et injustifiée. Nous pouvons gagner. Nous allons gagner. Oui, nous allons gagner grâce à vous tous, à votre nombre, à votre détermination. Restons unis et soyons déterminés, ensemble, debout. Le poing levé pour la victoire.